Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série d'écriture des lettres minuscules cursives afin d'apprendre à bien écrire. Ceci à l'aide de ma méthode d'entraînement ainsi que de nombreux conseils pour assurer la progression. Tu y trouveras les lettres de l'alphabet selon une progression simple et efficace avec les bons gestes nécessaires au tracé des lettres, comprenant les traits, les arrondis, les boucles, les crochets, etc. Avant de découvrir l'apprentissage de l'écriture, voyons déjà comment faire le bon geste d'une lettre dans l'espace. Je te conseille de tracer cette lettre dans l'air devant toi d'un grand geste de la main, comme ceci. La lettre Z se trace en une seule fois sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre Z dans l'espace. À partir du point de départ à gauche, trace une attache droite haute suivie d'une petite boucle et un petit trait horizontal. Puis, un petit trait incliné à gauche et enfin une bosse à droite et une grande boucle basse qui remonte. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Puis le même geste, mais plus petit, en tenant un crayon entre trois doigts. Le majeur en dessous pour soutenir le crayon, le pouce et l'index pour maintenir le crayon sans le serrer. Une montée et une petite boucle, suivie d'un petit trait horizontal et d'un petit trait incliné à gauche. Puis, une bosse et une grande boucle qui remonte. Pour apprendre à bien écrire, passons au cahier d'exercices d'apprentissage des formes pas à pas sur un cahier afin d'apprendre dès que possible les bonnes habitudes pour former les lettres. Entraîne-toi à tracer la lettre avec exactitude, puis réduis cette lettre peu à peu afin de lui faire prendre la taille courante d'écriture. L'expérience montre que c'est en écrivant à la main qu'on apprend à retenir les formes des lettres, les syllabes et les mots. Voici quelques exercices d'écriture pour apprendre les formes des lettres et ainsi bien écrire. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache haute avec une petite boucle et un petit trait penché qui descend à gauche. Deuxième exercice. Trace une attache haute avec une petite boucle et un petit trait penché qui descend à gauche. Puis, une bosse à droite. Troisième exercice. Trace une attache haute avec une petite boucle
et un petit trait penché qui descend à gauche, puis une bosse à droite et une grande boucle basse arrondie pour finir. Pour finir, trace deux ou trois lignes en réduisant la lettre Z. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. Ce cours touche déjà à sa fin. Vous pouvez accéder aux autres cours en cliquant sur une playlist. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin et mettez un pouce si vous avez aimé. Merci.